Chers amis, bonsoir, bonsoir et merci encore une fois de nous inviter chez vous afin que nous parlions d'ouvrages, de livres, essais, romans, drames, théâtrales, poésie. Et ce soir, nous accueillons Reda Scheerbled. Bonsoir Reda Scheerbled. Bonsoir, cher ami. Je dois avant tout ce débat vous remercier à vous et à toute l'équipe ici présente, fort sympathique. Merci mille fois pour eux et pour moi aussi. Alors, nous allons parler de votre ouvrage, Reda Scheerbled, intitulé Algérie Lumière, qui a été édité grâce aux bons soins et à l'aide du ministère de la Culture. Et cet ouvrage est ce qu'on appelle communément, dans le métier, un beau livre. Alors, il rentre dans cette catégorie-là. Alors, nous allons voir au cours de toute l'émission que vous êtes non seulement plasticien, sculpteur, conférencier, mais également auteur, puisque vous écrivez de la poésie. Nous allons en parler, puisqu'il y a quelques poésies qui sont incluses dans votre ouvrage. Et puis, également, je dirais presque des textes un peu libres, hein, c'est-à-dire sur pas seulement l'art, mais la place de l'artiste, puisqu'il y a dans votre ouvrage des interviews que vous avez accordées à des journalistes algériens concernant toute votre œuvre depuis des années et des années, qu'on peut voir soit dans des expositions publiques, soit dans des expositions privées, hein, que vous avez collecté d'ailleurs à la fin de votre ouvrage. Et puis, quelque chose de fort sympathique, ce sont vos amis, mais pas peut-être pas seulement vos amis, vos admirateurs, qui ont eu quelques mots pour votre travail en tant que plasticien à la fin de cet ouvrage intitulé « Algérie Lumière ». Alors, au départ, il faut signaler qu'il y a une très, très belle préface signé par le professeur Madame Nabette, oui, hein, vous concernant, oui, et qui honore votre travail. Une éminente conservatrice, et elle est dans l'architecture elle-même, et elle est aussi écrivain, Madame Nabette. Elle m'a donné l'insigne honneur d'écrire la préface. Alors, ce qui nous met tout de suite l'eau à la bouche quand on lit la préface, on se dit « Ah !» Voilà, on va commencer parce qu'il faut rappeler qu'elle est conservatrice en chef du patrimoine archéologique, historique et muséologique. Elle est professeure de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire professeure des universités. Parfaitement. Alors, ça commence par des œuvres historiques. J'ignorais totalement, Reda Scheerbled, que vous aviez construit dans votre tête et ensuite mis en œuvre, je dirais de façon pratique, des maquettes. Oui, des maquettes qui représentent notamment la maquette du vieil Alger, oui, avant 1830, qui se trouve actuellement au musée central de l'armée, Riyad el-Fitr. Et puis nous avons, le public peut aussi admirer la maquette de Constantine, oui, intra-extramuros. Et nous avons aussi Marks el-Jarf aussi, qui se trouve au dernier étage du musée. Ceci dit, en ce qui concerne les œuvres historiques, oui, représentées par des maquettes. Il y a aussi des œuvres historiques telles que la statue de Reis Hamidou, qui est très connue à Alger, qui ne peut pas la voir quand on habite Alger. Une œuvre sculpturale d'ailleurs. Oui. Immense. Enfin, immense. Avec le socle dans les 7,50 m, socle compris. Et qui se trouve une bonne question. Qui se trouve actuellement au Fébab Loued, à côté de la DGSN, juste en face de lycée Limir Abdelkader. Voilà. Et avec un Reis Hamidou qui regarde loin vers la mer pour voir si des envahisseurs ne viendraient pas une fois encore venir piller notre belle capitale. De toutes les manières, avant même qu'il soit un amiral de grande envergure, un amiral de réputation internationale, si j'ose dire, Reis Hamidou regardait loin la mer à l'âge de 10 ans.
Il était là, pensif, il rêvait dans son imaginaire, dans son envie, dans ses envies d'être un grand marin. Et il était fils de tailleur, modeste. Rien ne le prédestinait à devenir ce grand amiral. Non. Jamais. Non, parce que le papa voulait, qui voulait le seconder. C'est ça, qui reprenne, comme on dirait, la boutique, le fonds de commerce. Absolument. Hein, et pas du tout aller sur les mers et devenir cet immense amiral qui va sillonner la Méditerranée et qui va être l'horreur des flottes espagnoles, siciliennes, italienne et française, et même anglaise. Oui, même anglaise. Même anglaise, et même américaine. Oui, bon, ça a été... l'américaine, c'était funeste. C'était une fin funeste et tragique. Ouais. Et elle a été tuée par un boulet de canon au large de Cadix, pas loin de Tanger. Il a été frappé de plein fouet par l'armada... américain. Mais toujours est-il que cette armada américaine, l'amiral du Cadur, lui a rendu hommage avec le drapeau en berne et trompette, comme il se levait à l'époque, c'était la coutume. Il lui a rendu honneur, reconnaissance de par sa bravoure, sa nature guerrière. Alors, il y a effectivement d'entrée de jeu dans votre ouvrage, Reda Shir, c'est toute la vie de Raïs Hamidou que vous décrivez de façon historique sur deux ou trois pages. On voit qui est ce grand personnage. Ce grand personnage. Que d'autres pays nous envient et veulent que ça soit quelqu'un qui soit originaire de ces pays-là, que je ne citerai pas, mais ce que j'aime bien dans cette introduction sur Raïs Hamidou Ben Ali, vous dites, mais non, c'est un fils d'Alger, ne l'oublions pas. Hein. C'est un autochtone. C'est un autochtone, hein. C'est bien un fils d'Alger. Et alors, vous entrez directement dans un autre chapitre qui s'appelle Réalisme. Oui. Alors, Réalisme, où il y a un très beau tableau de vous, qui sont des simples pêcheurs, hein, qui pêchent au filet, semble-t-il que c'est de la sardine ou du petit poisson. Et alors, ce qui m'a étonné, c'est que vous dites, à un moment donné, dans les différentes interviews que vous avez accordées, je me pense beaucoup plus comme un plasticien, un peintre surréaliste. Alors, il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué, je dirais. Réaliste ou surréaliste? Très bien. Alors, le début de ma démarche picturale a été le réalisme. Et dans ce réalisme, il y a ce qu'on appelle le figuratif. Mais le figuratif tout simple, dans le classique, et qui ne s'inspire pas de l'impressionnisme, il s'inspire plutôt du réalisme de visu. Ça a été mes premiers pas, je veux dire, une démarche juvénile. Oui, c'est normal, comme tous les grands peintres, comme tous les grands plasticiens, au départ, ils commencent par faire ce qu'on appelle du figuratif, hein, à l'instar. C'est pour se faire la main, comme on dit. Oui, à l'instar de Picasso. Pablo Picasso, on parle de la peinture. Mais le début, c'est au début. Il était assez figuratif. Le début. Oui, tout début. Voilà. Ensuite, il a fait abstraction, ce qu'on appelle abstraction du figuratif. Absolument, parce que sa période rose et sa période bleue, c'est beaucoup plus du figuratif que par la suite. Quand il a commencé à entrer dans le cubisme et l'abstrait total. Mais ça, je crois que c'est tous les, même quand on voit les premiers tableaux de jeunesse de Van Gogh, c'est du figuratif pur. Oui. Mais Van Gogh, c'est autre chose. Hein. Le Van Gogh, ce n'est pas de l'abstrait, ce n'est pas du surréalisme. Non, du tout, non. C'est carrément de l'impressionnisme. Tout à fait. Il s'est inspiré de la lumière du Sud. Absolument. C'était un amoureux de la couleur. Et comme vous.
J'essaye. Comme vous, j'essaye. Ben, si. J'essaye. Alors, et puis ensuite, il y a le chapitre « Liberté », avec un texte de votre cru, hein, puisque le mot « liberté » vous est très cher, et vous l'avez illustré avec, je dirais presque, des chevaux sauvages, galopants. Des étalons. Des étalons. Je préfère. Des étalons arabes, galopants, et je pense que ce n'est pas gratuit, si sur il y a donc trois étalons, si chaque étalon a une robe, comme on dit pour le cheval, a une robe de couleur différente, pour peut-être nous montrer que dans notre pays, nous avons ces différences-là, mais qu'ils galopent sur un air de liberté ensemble. Voilà. Donc c'est un air de liberté ensemble qui est céleste. Là, je les ai figurés à l'époque. C'est une de mes premières toiles qui s'appelle Liberté. Liberté à travers 1974. Les races. 1974, puisque voilà. Vous l'avez signé. Voilà. 1974, voilà. Vous signiez à l'époque juste Reda. Modestement. Voilà, donc ces chevaux, enfin ces étalons, je les ai exprimés par trois couleurs. Alors nous avons au milieu l'étalon blanc. Nous avons l'étalon rouge. Et nous avons les talons noirs. Et si vous avez remarqué, c'est les deux dernières pattes de cet étalon sont encore ancrées dans le nuage. Mmh. Ça veut dire que les pays noirs n'étaient pas totalement libres et à l'apartheid. Et voilà. Donc à cette époque, j'avais rendu hommage personnellement dans mon fort intérieur à Mandela. À Mandela. Et dans la race rouge aussi, c'est les Indiens. Mmh. Je veux dire, c'est par métaphore, naturellement. Oui, tout à fait. Bah. C'est par métaphore. Donc, et puis, bon, bien sûr, il y a le blanc qui est le ça veut tout dire. La couleur, elle est assez éloquente pour exprimer ces races. Et la pureté aussi. Et la pureté, bien sûr, la pureté de l'âme. Et cette liberté, le peuple algérien l'a payé très cher. C'est pour sa liberté, pour sa dignité, pour sa fierté. Alhamdoulilah, l'Algérie a été libre en 62. Et cette liberté est très chère pour l'homme qui aime l'amour, qui aime la beauté, qui aime la bonté. C'est trois principes qui sont ancrés chez l'artiste créateur. D'abord, c'est l'amour, la bonté et la beauté que je considère comme deux princesses. Vous avez à droite la bonté, vous avez à gauche la beauté et l'amour qui trône, qui est roi. Alors d'ailleurs, cet étalon noir qui a encore malheureusement ses deux pattes arrière, encore enfoncées dans les nuages, donc il n'est pas totalement encore sorti, hein. Il y a un autre tableau de vous qui est beaucoup moins figuratif, qui va beaucoup plus dans l'abstrait, hein, qui est un tableau où vous dessinez, vous peignez l'Afrique. Avec des chaînes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous dessinez l'Afrique comme une femme. Oui. Hein, et parce que je me suis dit, eh bien, parce que notre amie Reda considère que l'Afrique, c'est féminin dans le sens où, comme c'est le berceau de l'humanité, donc c'est l'Afrique qui a enfanté l'humanité, et ça ne peut être qu'une femme. Oui. Donc, si vous permettez, je vous réponds à cette réflexion. Oui, l'Afrique, c'est une femme. Et la femme, elle est la mère des grands hommes. Particulièrement chez nous. Je dis particulièrement chez nous, en Algérie. Sans la femme, l'homme n'est rien. Je veux dire, derrière chaque grand homme, il y a sa femme derrière. Et la femme algérienne, elle est guerrière, foncièrement guerrière. Ça veut dire, lorsqu'on parle de la femme algérienne, elle est à partir de Kahina, Tinhinan, et Fatma Soumer, et etc. Donc, qu'on retrouve d'ailleurs dans vos tableaux. Hein. Oui, bien sûr, naturellement. Pas Fatma Soumer, mais Tinhinan, oui. Oui. Et puis voilà, la femme, elle porte dans son sein le guerrier aussi. Elle porte dans son sein aussi l'artiste, le créateur, l'auteur. Voilà. Et tout provient de la mère. C'est-à-dire que la patrie, elle est mère. Notre mère patrie. Mmh. On ne dit pas le père patrie, on dit la mère patrie.
Et voilà. question, si vous me permettez. Est-ce que c'est vous qui avez fait le choix chronologique de la mise en page des reproductions de vos différents tableaux, ou non, c'était un petit peu par rapport aux thématiques que vous avez évoquées, qui sont, je dirais, les, on peut pas dire cela comme ça, mais enfin, les en-têtes de chapitres, hein, comme Actes et mémoire, ou Liberté, etc. Est-ce que c'est vous qui avez fait le choix de cette mise en page? Absolument. Ça veut dire, d'une manière générale, la conception du livre, c'est ma propre conception. C'est votre... C'est... Voilà. Donc, il y avait l'infographe, je lui ai donné les grandes axes, ouais, afin de gabariter le livre. Une partie qui démarre par le réalisme, accompagnée, les œuvres picturales, accompagnées des textes, pour le finaliser avec, bien sûr, une bibliographie. Ouais. Et le remerciement, naturellement, avec tous les gens qui ont contribué à réaliser ce livre et mes œuvres aussi, mes œuvres picturales et sculpturales. Liberté. Alors, c'est bon. On a vu Liberté, on a vu Actes et mémoire. Alors, c'était un entretien que vous avez eu avec un journaliste. Où c'était à partir d'ailleurs d'une exposition à Paris, c'est cela ? Oui, à Paris. Alors, vous parlez de plusieurs choses. Vous parlez de la Casbah, qui vous est très chère, puisque beaucoup de vos tableaux peignent ou dépeignent la Casbah, soit dans la vie quotidienne, soit autrement. On verra que vers la fin de votre ouvrage, il y a une œuvre qui m'a, là aussi, je reprends le terme, qui m'a intrigué. On y voit la Casbah, et puis comme si c'était une feuille déchirée vers le haut, il y a derrière des immeubles modernes, assez hideux, comme on peut en voir aujourd'hui. Et c'est comme si vous nous disiez, c'est comme si vous disiez aux regardants, écoutez, malheureusement, si on ne fait pas attention, la Casbah est en train de plus que de mourir. Et cette déchirure, qu'est-ce qui vient à la place? Ben, c'est pas toujours beau, parce que ces immeubles qu'on voit, ces tours, sont dans une grisaille absolument, dans une brume et une grisaille qui ne donne absolument pas envie d'y habiter, alors que c'est flamboyant, le reste du tableau est flamboyant. Oui, très bien. Alors, c'est encore une bonne question. Et je vous remercie pour cette question, car cette toile, c'est ma première œuvre surréaliste. D'ailleurs, elle est accompagnée par un poème très court. Tout à fait, un texte. Un texte qui est écrit sur la toile. Et cet univers de béton, et au risque de chagriner, je dis bien de chagriner, Le Corbusier, la Casbah qui se déchire au profit du béton. Ouais. Le message. Et autant que je suis natif de la Casbah d'Alger, j'ai ouvert mes yeux dans cette cité historique. Et cette cité historique, elle a une empreinte sur ses murs. Et j'ignorais, pendant que je galopais, parmi les ruelles avec mes amis, j'ignorais que cette Casbah est une cité historique et qui a joué un grand rôle dans le passé. Donc l'envie et l'inspiration m'a été donnée pour réaliser cette œuvre picturale. La Casbah qui se déchire au profit du béton, au risque de déplaire l'architecte Le Corbusier. Tant que le printemps survivra et que le soleil brillera, tant que l'enfant sourira et que le rossignol chantera dans mon cœur, tu régneras au Casbah, évidemment. Mais c'est une œuvre vraiment excessivement étrange. Et c'est par cette œuvre-là que j'ai eu la médaille d'or
à Cannes. Car ça a été un vote public, et non à travers un jury. J'ai eu le premier prix de Cannes, avec la médaille d'or, à travers cette toile. Alors, je ne veux pas faire le comment on appelle ça, le listing de tout ce que vous avez eu comme récompense nationale et internationale à travers le monde, parce que on y passerait l'émission. Bon, nos chers téléspectatrices, téléspectateurs qui nous voient, le retrouveront à la fin de votre ouvrage avec votre biographie, les témoignages dont nous avons parlé tout à l'heure, les différents articles de presse ou dans les magazines, vos titres et distinctions, et, mon Dieu, Belgique, Cannes, Mexique, Paris, Canada, y compris cotation à Drouot, on va le signaler tout de suite, vos différentes conférences à travers le monde, parce que qu'est-ce que vous avez voyagé, dites-moi. Hein. Et puis avec les extraits du livre d'or, comme signalé au début de l'émission, c'est-à-dire vos amis, vos admirateurs, qui ont dit quelques mots de vous, que ce soit Sidi Ahmed Haghoumi, que ce soit Louali Mahfouz, oui. Louali Mahfouz, c'est mon professeur des arts martiaux. Oui, alors là, il y a un tableau dont on va parler tout à l'heure, c'est Shinto. Shinto. Pourquoi parce que vous faites des arts martiaux, donc je devrais faire attention à mes questions. Non, les arts martiaux, ça m'a permis d'élever mon esprit spirituel. Ouais. Voilà, c'était zen, tout simplement. Les arts martiaux, ça permet à l'homme de maîtriser ses instincts et de rester tout à fait zen. Je veux dire, se libérer de ses angoisses, de ses peurs, et le reste. Il y a beaucoup l'idée, et ce sont surtout dans beaucoup de vos tableaux, l'idée du yin et du yang, c'est-à-dire... Naturellement, le yin et le yang est une sagesse qui vient de l'extrême-orient, le yin et le yang. Et ça permet aussi, les arts martiaux, de méditer et de renforcer son inspiration, si j'ose dire, à travers les arts martiaux. Avoir et garder cet esprit zen. Oui, parce que tout le monde pense que les arts martiaux, ce n'est que le combat entre deux personnes, alors que ce n'est pas ça du tout. Mais non, le combat entre deux personnes, non, c'est le combat entre soi-même. Parce que nous avons ces impulsions négatives. Absolument. Hein. Nous avons le côté lumière et nous avons le côté obscur. Et c'est ça, chaque homme, il a deux ombres en lui-même. Influence de Mohamed Rassim, vous en parlez beaucoup. Alors, dites, en tout cas, c'est les journalistes qui vous interviewent, disent à chaque fois, vous avez été influencé par Rassim. Vous dites oui, certes, mais comme tout grand peintre, comme tout grand plasticien de tout temps, que ce soit depuis le Moyen-Âge, la Renaissance ou que sais-je, ont été influencés au départ par un grand maître. Toute l'idée, c'est de se dire, oui, effectivement, il m'a influencé, parce que il faut bien commencer par être élève d'un grand pour pouvoir se dépasser et tout d'un coup, donner libre cours à son originalité. Très bien. Donc, si vous me permettez encore une fois, je vais vous répondre à cette réflexion. Je n'ai jamais été, au fond, je n'ai jamais été influencé par Rassim. J'ai admiré, l'Airahmo, Mohamed Rassim. Je l'ai admiré. Il ne faut pas perdre de vue que Mohamed Rassim, il est essentiellement miniaturiste. Absolument. C'est ce que je ne retrouve pas dans vos tableaux, dans vos œuvres. Lui, Mohamed Rassim, que j'admire, il évite la perspective. La miniature, c'est un aplat. Oui. Et c'est un grand maître de la miniature. Il a été en Angleterre, il a réalisé de diverses expositions à travers le monde. Donc j'admirais son travail en tant que maître. Et je le respecte en tant que maître. Voilà. Autant que j'admire d'autres peintres. Absolument. Je reste avec cet esprit universel, qui est la peinture. La peinture, c'est un langage universel. C'est une musique picturale, de visu, de couleur. Donc, oui, j'admire d'autres peintres. J'admire Auguste Renoir, Delacroix, et Ingres, Louis David.
qui a peint le couronnement de l'empereur Napoléon. Tout à fait. Voilà, le couronnement. Donc voilà, entre autres, il y a Femmes d'Alger dans leurs appartements. Alors, ouais, Femmes d'Alger, Picasso. Bon, voilà. Alors ça, c'est clair que beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé que peut-être que l'interprétation, avec tout le respect que je dois aux différents journalistes qui vous ont interviewé, confondent influence avec respect et admiration, d'un grand peintre, d'un grand plasticien. À mon avis, les gens ne font pas la différence, hein, parce que je ne retrouvais pas. À force de lire les interviews, je me suis dit je ne vois pas très bien où se trouve la patte de Mohamed Rassim dans l'œuvre de notre ami. Non, j'ai créé ma propre école. Oui. Modestement parlant, j'ai créé ma propre école en partant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en partant par le réalisme. Mmh. Ensuite, je me suis versé vers le surréalisme. Mmh. Car le surréalisme me permet de m'exprimer encore plus librement, sans le souci de l'esthétique. En plus, non seulement à travers la forme, mais quelque chose qui je dirais sauterait à la figure à la première vue, c'est que les couleurs, ce n'est pas du tout le même, le même attrait et imaginatif de couleurs que pourrait employer quelqu'un comme Mohamed Rassim et que vous utilisez, vous, dans vos œuvres. Oui, particulièrement les bleus. Si vous avez remarqué, il y a les tons de bleu qui dominent avec les couleurs chatoyantes. Ce bleu qui est, il y a le bleu de la mer, mais il y a aussi le bleu des drapés des femmes, que je dirais est beaucoup plus proche d'un drapé des grands peintres vénitiens ou de la Renaissance. Non, au niveau de la couleur, on parle de la beauté, le bleu, la beauté algérienne, avant tout, car nous avons un très beau ciel bleu. Oui, et puis mer bleue. Et puis, évidemment, quand... Et les hommes bleus aussi. Et puis, les hommes bleus, voilà, quand vous peignez les targhis, voilà. On voit bien que c'est un bleu qui nous vient bien du sud, de notre pays, du pays des Touaregs, et non pas du tout... Alors, il y a un tableau quand même qui m'a beaucoup surpris, parce que il est entre l'influence, à moins que je ne me trompe complètement, c'est un tableau où on voit deux femmes en train de jouer de la musique, probablement sur une terrasse, et au loin, on voit le bas d'Alger et la baie d'Alger. Et ce sont deux femmes, l'une regardant vers la mer, l'autre se tournant beaucoup plus vers le regardant, c'est-à-dire nous, l'une plus en belle couleur brune, l'autre dans une sorte de couleur parme. Hein, et tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, je me suis dit, je pourrais exposer chez moi ce tableau et mettre à côté un tableau d'un grand peintre de la Renaissance comme Raphaël ou Léonard de Vinci, où je me trompe complètement, où notre ami Hedda Scherblen a une grande admiration pour les tableaux de la Renaissance italienne, parce que ces deux femmes ont cette beauté algérienne, mais elles ont aussi cette beauté absolument exceptionnelle de ces femmes de la Renaissance qui sont diaphanes, évanescentes presque. Alors je préfère que vous mettiez le tableau doré de Scherblen. Doré de Scherblen. Ah oui, non, mais c'est votre tableau. C'est oui, votre mais tableau. Je préfère que vous le mettiez à côté de vous. Car... Ah oui. Donc on va changer le rôle. Moi, je m'appelle Youssef et vous appelez Reda. Comme vous voulez. Voilà. N'est-ce pas? Oui, bon, alors cette toile, elle représente deux femmes algériennes. Ouais. Et il faut dire aussi que la femme algérienne, elle est essentiellement aussi à côté de son côté guerrier, qui est la guerrière, on l'appelle Jazia. Donc elle est aussi artiste dans son genre. Elle est artiste, elle chante, elle compose.
elle fait de la broderie. Mmh. Et la femme algérienne d'antan, que ça soit, je dis algérienne et pas algéroise, il y a l'algéroise, la constantinoise, l'oranaise, etc. Alors, à cette époque-là, la femme algérienne, elle ne s'ennuyait pas. Ce n'était pas le sérail, comme on l'imagine. Oui, oui, non, ça, c'est l'exotisme, voilà, l'exotisme européen, l'odalisme, l'odalisque, voilà. Non, la femme algérienne, qu'elle soit algéroise ou enfin, dans le pays, dans tout le pays, ne s'ennuyait pas. Elle, si elle ne faisait pas de la musique, elle jouait pas de la musique, elle faisait de la broderie. Oui. Et en Kabylie, ou de la poésie. De la poésie. Oui, oui, oui. Et en Kabylie, notamment, il y a les tapis, qui étaient véritables, même chez les Chaouis aussi. Oui. Le tapis Chaouis, il est magnifique. Le tapis Kabyle aussi. Bah, le tapis des Monts Babor, c'est pour moi la plus peur des merveilles. À l'ouest, bon, à l'est, comme on veut. Sans compter qu'en dehors de tous ces arts traditionnels ou domestiques ou poétiques ou musicaux, elle était aussi une femme guerrière. Ah oui, oui, elle est guerrière. C'est comme ça. On oublie souvent. Mis à part Jeanne d'Arc. La femme algérienne est foncièrement, essentiellement guerrière. Et elle accompagnait. Oui, à l'époque, elle accompagnait les guerriers. Absolument. Par le Riouyou, bien sûr. Si je vous en parle, Dachir Blad, de ce tableau, c'est parce que c'est un tableau qui, dans pratiquement la centaine de reproductions de vos œuvres dans votre ouvrage, est assez à part, je trouve. Il a une douceur, une poésie qui m'a... Je le mets vraiment à part. Et l'impression que tout d'un coup, vous, en tant que artiste peintre, plasticien, il y a quelque chose qui vous a touché. Est-ce que ce jour-là, ou ces jours-là, pendant que vous peigniez ce tableau, vous étiez en train d'écouter de la musique baroque, vénitienne ou que sais-je, et que cela vous a inspiré? Je sais pas, parce que par rapport à vos autres œuvres, franchement, il est complètement à part. Hein. Merci. Mais c'est dans le sens positif. Oui, ça ne veut pas dire que vos autres œuvres. Je n'en disconviens pas. Mais il y a une touche, il y a une patte, dans vos autres œuvres. J'adore la musique classique. Comme j'adore aussi la musique chabie. Ah oui, bah ça, alors. Il y a là, le Boléro de Ravel. Qui est une œuvre magnifique. Il y a la Paloma, n'est-ce pas? Il y a la musique, qu'elle soit vénitienne ou qu'elle soit autrichienne, comme les Autrichiens, ils étaient forts dans la musique. Bah, Mozart, hein, Mozart, le premier. Amadeus Mozart. Donc voilà, autant que j'aime la peinture universelle, autant que j'aime la musique universelle. Ça veut dire, en démarrant de la musique classique, qu'elle soit autrichienne, italienne, comme la musique le Melhoun. Oui, c'est magnifique. C'est une musique qui malheureusement tombe de plus en plus en désuétude. C'est une inspiration qui reste à travers les siècles. Elle ne peut pas se démoder. Non, je ne dis pas démoder. C'est que malheureusement, on ne lui donne plus assez de place aujourd'hui. Parce que quand j'ai la chance de pouvoir aller dans certaines régions en Algérie, parce que il y a des régions où il reste encore très vivace. Hein, j'ai pu voir des choses absolument extraordinaires, c'est-à-dire dans des petits villages, hein, ou en plein champ, hein, comme cela, avec des micros bricolés à la hâte, comme ça, des microphones bricolés avec des enceintes bricolées à la hâte. Il y avait des gars qui venaient, de tout âge d'ailleurs, hein, qui faisaient des déclamations. C'est dans les champs, hein, et il y avait, comme ça, des travailleurs des champs, des bergers, etc., qui venaient écouter ça. Et j'étais absolument sidéré, parce que je me dis, mais tout ça se perd. Oui, bon, que le public, qu'il soit, quel que soit le public, qu'il soit berger, comme vous le dites, ou qu'il soit commerçant, qu'il soit... Mais vous savez, la musique adoucit les mœurs. Donc voilà, comme je l'ai dit dans l'interview, notamment, j'ai parlé d'une princesse. Mmh.
une princesse, qu'elle soit égyptienne ou autre. Et comme il y a aussi... Oui, la femme du pape. La femme du pape. Ouais. Elle a le droit d'écouter. Ouais. Elle peut être amoureuse. Elle a son droit. Bien sûr. Elle peut être amoureuse de la musique, comme elle peut être amoureuse d'un prince, comme elle peut être amoureuse de l'homme du commun. Je veux dire qu'une princesse, elle peut rester songeuse, rêveuse, en écoutant, par exemple, Mohamed Abdelwahab ou une musique classique. Mmh. Et la femme du peuple, elle peut être songeuse, rêveuse en écoutant, idem, Mohamed Abdelwahab ou musique. C'est-à-dire, qu'elle soit princesse ou qu'elle soit la femme du commun, c'est une femme, avec sa sensibilité de femme, et sa féminité, sa douceur. Lorsque vous m'avez parlé de la douceur, la femme, elle est essentiellement douce, elle donne, elle l'offre, elle enfante. L'homme, elle apaise ses souffrances. L'homme, il est extérieur et la femme, elle est intérieure. Et après le labeur, il trouve son œuvre de paix, de l'extérieur à l'intérieur. Écrire l'histoire avec le pinceau ou avec le bronze? Le bronze. Et oui. Pas les tambours du Bronx. Non. Pas ceux du Bronx. Bronze. Écrire l'histoire. Alors, ça, vos œuvres, qu'elles soient picturales ou qu'elles soient des œuvres de sculpture, comme la fameuse sculpture de Reis Habidou, mais pas seulement, hein, d'autres, ou vos fresques. Hein, c'est la fameuse fresque que vous avez offert au Mexique. Au nom du peuple algérien. Au nom du peuple algérien. Qui est reproduite dans l'ouvrage, qui est l'amitié entre les peuples. Voilà. Et qui est à Guadalajara, au Mexique. Mmh. Vous avez reçu d'ailleurs un prix pour cette fresque. Oui. Donc il y a une fresque immense. Hein. Oui, elle est immense. Oui, mais ça, il n'y a qu'au Mexique où on fait des fresques immenses, comme les faisait Picabia, etc. Et tout ça. C'est-à-dire que Diego Rivera fresques absolument. Qui faisait des 20 mètres. Oui. 50. C'est vrai. Vous, votre fresque est quand même excessivement importante. C'est écrire l'histoire, parce que beaucoup de vos œuvres écrivent l'histoire, encore une fois, soit avec le pinceau, hein, avec la couleur, soit avec le cœur. Oui, bien sûr. soit avec le bronze, soit ce qu'on appelle à tempéra, parce qu'une fresque, c'est ce qu'on appelle à tempéra, c'est-à-dire que bon, fresque, il faut expliquer en deux mots, c'est excessivement compliqué, parce qu'une fois qu'on commence, on ne peut pas rattraper le coup, c'est compliqué, hein, parce que il faut relisser, reprendre, etc. Est-ce qu'on vous l'a dit, ou alors vous l'avez essayé vous-même? Non, j'ai une petite connaissance, une toute petite connaissance de l'art pictural, donc je sais qu'il n'y a rien de plus compliqué que de faire une fresque, parce qu'une fresque, c'est pas comme un tableau, c'est-à-dire que si on rate, comme on dit, sa peinture, c'est excessivement compliqué, parce que il faut pas seulement juste un tableau, on peut toujours recouvrir, etc. Le repenti, on appelle ça les repentis. Mmh. Le repenti, ça veut dire que si le peintre a raté une couleur ou alors un dessin. Mmh. Et le peintre, le maître, il ne peint jamais, je veux dire, avec le fusain. Il commence, mon dessin à moi, c'est avec déjà avec le pinceau. Je peins et je dessine avec le pinceau. Et la toile déjà, l'œuvre, elle est dans la tête. Dans la tête, absolument. Toujours. Déjà, avant même qu'elle soit créée, l'œuvre, déjà, elle est dans la tête. Ouais. Avec son dessin, sa figure et ses couleurs. Ouais. Vous me rappelez la fameuse phrase de Michel-Ange qui disait « Moi, quand je sculpte un ange ou une Vierge Marie ou quel que soit ce que je vais sculpter, quand je suis devant mon bloc de marbre, en fin de compte, mon travail n'est pas de sculpter cet ange ou cette Vierge Marie ou quel que soit, il est déjà là
Moi, mon travail de sculpteur, c'est de dégrossir pour le faire apparaître. Voilà. Alors, à l'instar de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci, lorsqu'il a réalisé cette œuvre sculpturale qui s'est inspirée de la religion, Moïse, une fois qu'il a terminé, cette sculpture, elle était très éloquente. Donc, à la fin, il a pris le marteau et lui a dit « parle ». Ça veut dire... Elle était éloquente. Elle s'exprimait par elle-même. Alors, maintenant, moi, je ne m'inspire pas des figures religieuses. Moi, je m'inspire... Oui, non, j'ai vu. Voilà. Et pourtant, Dieu sait. Voilà. Dieu sait s'il y a la foi, la lumière... On revient, si vous permettez. Je me suis inspiré de notre héros national. On peut même dire international. Lui qui a semé la terreur dans le bassin méditerranéen, qui est une figure légendaire, qui est Raïs Hamidou. Et nous sommes fiers, en tant qu'Algériens, d'avoir cet héros national. Et dans le bassin méditerranéen, il est arrivé de Mousse, il est arrivé au grade d'amiral, et c'était un homme très beau, assez affable et assez modeste. Bien, maintenant on revient en ce qui concerne les lumières. Donc vous avez évoqué tout à l'heure, la lumière elle est déjà dans l'âme. Et je suis un amoureux de la lumière, je suis en quête de la lumière. La lumière, elle baigne l'obscurité. Elle élève l'âme vers le céleste. Et c'est de là que devient la foi vers le divin. Voilà. Alors, justement, à propos de lumière, il y a un très beau tableau de vous, avec un texte d'ailleurs, sur une chandelle. Oui. Qui est évidemment la symbolique de la lumière qui s'élève vers le divin. Oui. Hein, et tout ça est... vous peignez beaucoup dans le clair-obscur, quand même. C'est une transcendance. Ouais. Dans le clair-obscur, il y a la transcendance. Je veux dire, l'enfant, il est mature, naturellement. C'est un galopin. Il aime les bonbons. Il donne le cas à... Mais tous les artistes sont des enfants. Hein. Oui, mais bon, je veux dire, oui, en évoluant, même si on est adulte, même si on est mais mature. Mais heureusement que vous gardez votre âme d'enfant. Oui, mais c'est heureusement. Heureusement, c'est le côté subjectif. Mais bien sûr. Et je ne voudrais pas perdre mon côté subjectif. Ma subjectivité, moi, je voudrais la garder pour pouvoir rêver, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir peindre. Voilà. Donc, il y a cette maturité qui m'a amené, en parlant du réalisme, vers le surréalisme. À travers cette maturité, je suis arrivé vers le surréalisme. Vous aimez, vous me dites que vous aimez la musique, et vous en parlez d'ailleurs, hein, quand il y a un texte sur la question du surréalisme, vous citez Bob Dylan, mais vous citez également Cocteau, comme étrangement vous citez Zidane. Oui. Et vous avez fait même un tableau, oui. Bon c'est peut-être pas lui, mais vous dites les grands footballeurs sont des artistes. Oui, c'est des artistes. Le football, c'est pas un sport violent. C'est comme les arts martiaux. Maintenant, malheureusement, un peu. Oui, non, mais je veux dire, il faut avoir l'art, l'art de dribbler avec le ballon, comme Pelé, d'ailleurs, qui était devenu le roi du football. Et autant que j'admire aussi, il n'y a pas que Zidane, il y a Magyar aussi, qui est un artiste. La talonnade de Magyar, il y a le parfum Magyar. Voyons. La mer, ça c'est une obsession, c'est récurrent dans toutes, dans beaucoup en tout cas de vos œuvres, l'eau, la mer, même quand vous dessinez, vous peignez des targhis sur leur chameau, des toilettes sur leur chameau, il y a à côté l'eau qui est source de vie ou la mer. Toujours. Les deux. Alors, c'est écrit déjà dans le Coran. Toute vie est venue de l'eau. De l'eau. Voilà. Ce qu'a prouvé la science, d'ailleurs. Voilà. Donc, lorsque j'évoque la mer, j'aime la mer. Car des hauts, des terrasses dans mon poème. Il y a toujours. J'avais 8 ans, 7 ans. Des hauts, des terrasses.
Je l'adulais, cette mer. Et je rêvais. En la regardant, je me rappelle, j'avais 7 ou 8 ans, à cette époque, je voyais les phares. Les phares, le rouge, le vert, etc. Donc, j'ai ouvert les yeux, tout enfant, dans la mer. Et j'ai fait une analogie entre la mer et la mer. C'est-à-dire, la mer porteuse et la mer. Mmh. Et très tôt, j'ai appris à nager. Et d'ailleurs, dans le poème, je l'ai dit, elle m'a jamais trahi. Ça veut dire que j'allais vers le fin fond de la mer, ma bleue, d'ailleurs le poème il s'appelle ouais. Ma bleue. Je nageais vers le fin fond de son âme et elle m'a jamais trahi. Voilà. La spiritualité, tous vos tableaux, Émane la spiritualité. Il y a une marque, quelque part, il faut bien regarder. Hein, il y a une marque de spiritualité. La foi, le spirituel, tous vos tableaux. Il n'y a pas un seul de vos tableaux, il n'y a pas une marque, quelquefois, il faut bien regarder, quand on regarde une œuvre d'art, il faut toujours bien la regarder parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle des symboliques qui échappent à l'œil non averti au départ. Mais quand on y fait bien attention, je parle par exemple de la peinture du footballeur. C'est quand même assez étrange que vous mettiez en haut, sur la droite, un objet traditionnel alors qu'on pourrait se dire, mais pourquoi Nasir Bled met-il comme ça un objet traditionnel oui. vers le haut, qui est un objet qui montre quelles sont nos racines, pourquoi, etc., alors qu'il montre un footballeur en train de taper dans un ballon. Ça peut paraître, je dirais, énigmatique, encore une fois. Hein. Mais il n'y a pas une de vos œuvres où il n'y a pas, quelque part, un objet qui ramène à la spiritualité ou à la foi, au mysticisme. Oui. Le mysticisme, non, c'est autre chose. Le mysticisme, bon, c'est un autre domaine. Quoique j'admire certains mystiques comme l'Hallaj, Malik Dinar et Jalaluddin Rumi, Amin Bektash, qui était dans la confrérie des Bektashiyas, des janissaires. Les janissaires sont dans la confrérie des Bektashiyas. Maintenant, on revient à la spiritualité. La spiritualité, elle est essentielle pour un artiste ou pour un écrivain, ou pour un auteur, quel que soit. On revient aussi à le tableau là que vous avez décrit, le footballeur, avec un trophée. Mmh. C'est un trophée qui est en haut. J'ai pas un trophée, c'est vous qui le dites. avec cette couleur oui. Nationale qui mmh. porte le drapeau algérien. Et il faut dire aussi que les footballeurs algériens nous ont fait honneur, oui. que ce soit au niveau du pays national ou international. Et c'est ainsi que moi j'ai réalisé cette œuvre-là pour rendre hommage à nos footballeurs algériens. Vous dites que c'est un trophée, je veux bien le croire, parce que il est quand même dans un tourbillon de soleil, de feu. Un feu tourbillonnant qui est quand même très significatif. Il faudrait être du phénix pour pouvoir oui. fixer le soleil. Oui, le phénix. Parce que le tableau qui lui fait face, là, franchement, c'est un véritable tableau totalement surréaliste avec une coquille d'œuf brisée. D'où sort une cascade, une mer et avec une cascade qui retombe dans une autre mer avec des montagnes au fond, qui est pour moi, ou alors je me trompe totalement, qui est la symbolique même de la vie, de la fertilité, et qui est hautement, vous me dites non le mysticisme, non, qui est quand même hautement mystique, avec un aigle sur l'œuf qui représente, bon, que ça soit l'œuf qu'on connaît, mais qui est, n'oublions pas, l'ovule, hein, créateur de oui, toute bon, vie. L'aigle que j'ai représenté sur cette œuvre-là, c'est le phénix. Mmh. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mmh. Donc il y a l'œuf. L'œuf qui, c'est l'éternelle question. Avec, est-ce que l'œuf vient
Est-ce que la poule vient de l'œuf ou de l'œuf qui vient de la poule? Pour répondre à votre question, non, c'est l'éternel renouvellement. C'est quand même un peu plus fort que ça, Nasir Blaise. C'est quand même beaucoup plus... Il a ce côté mystérieux, c'est vrai. Non, il y a un côté qui... Enfin, en tout cas, c'est un de vos œuvres qui m'a le plus marqué. Elle est très étonnante. Très très belle. Merci. Je l'avoue, avec un Merci. Ciel bleu azuréen, un dégradé, des montagnes au fond, le sud, beaucoup. Bon, malheureusement, on ne peut pas parler de l'ensemble de vos œuvres que nous avons le plaisir de voir dans Algérie Lumière, votre ouvrage, mais beaucoup sur le sud, avec. Peut-être que je trouverais que le tableau le plus marquant, c'est l'homme-montagne. On voit un targhi, et puis au fond, des yeux et une montagne, qui peut être la Hagar, hein, lui, il est assis dans une pose demi-soumise, puisqu'il a des chaînes qui sont brisées. Hein. Et puis au fond, il y a une montagne où il y a lui dans la montagne, c'est-à-dire que lui se confond avec la montagne et on ne peut pas, on peut tout faire sauf emprisonner une montagne. Voilà. Alors, avec des yeux de femme oui, qui sont là. Sachez que le Targhi est une montagne. Oui. Ah oui. Le Targhi, c'est un homme fabuleux. Il a sa sagesse, il a sa générosité, il a la main tendue. Le Targhi. C'est un homme silencieux, avant tout. Il n'est pas bavard. Mmh. Il est éloquent dans ses gestes. C'est l'homme du silence, d'ailleurs. Il y a une œuvre qui s'appelle L'homme du silence. Mmh. Alors, pourquoi cette inspiration? Pourquoi ce choix dans ce chemin? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai traversé une période assez difficile, personnel. Donc, pour me retrouver, il me fallait un recueillement, une retraite spirituelle. La retraite l'Khalouya, la retraite spirituelle que j'ai retrouvée au sud, chez ces gens qui ne posaient pas de questions et qui étaient hospitaliers. Je dis bien, généreux. Ils ne disaient pas regardant. Et je me suis retrouvé au désert pour pouvoir me ressourcer, naturellement, et après, Nasir Blaise vient me dire « Mais non, le mysticisme, c'est autre chose, etc. » Mais non, il y a le mystique et l'ascète. Oui, non, mais l'ascète. Là, c'est pas l'ascétisme, c'est du mysticisme pur. Bon. D'autres œuvres très étonnantes. Votre voyage au Mexique vous a évidemment... beaucoup marqué, vous en parlez, et il y a un tableau absolument très étrange, un homme habillé dans le costume traditionnel aztèque, et un autre, un targhi, habillé vraiment dans l'habit traditionnel targhi, avec d'un côté une pyramide aztèque, et de l'autre côté les montagnes qu'on peut voir dans le sud algérien, la Haga, la Skrem. On arrive malheureusement au terme de l'émission, ça va vite, hein. Oui, parce que ça a été un débat assez passionnant. Merci et beaucoup. Et sympathique. Merci beaucoup. Merci mille fois, Nasir Blaise. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Algérie Lumière, plus d'une centaine de reproductions de vos œuvres picturales, mais également de vos œuvres poétiques, des interviews de journalistes, des témoignages. De vos amis, de vos admirateurs, bibliographie, et puis des maquettes que vous avez réalisées pour, avec un travail de recherche étonnant, parce qu'il fallait aller chercher un travail. Je dirais que là, vous avez fait un travail d'architecte, hein, d'architecte historien. J'essaie. et rappelons-le, c'est grâce aux bons soins et à l'aide du ministère de la Culture que cet ouvrage a pu voir le jour. Et Dieu sait si, malheureusement, dans notre pays, il y a encore peu
peu d'édition de ce qu'on appelle le beau livre. Et je fais encore appel à ceux qui nous regardent, téléspectatrices, téléspectateurs, pour un anniversaire de votre enfant, de votre jeune enfant, qu'il soit adolescent, pour des occasions comme l'Aïd, l'anniversaire ou que sais-je, offrez des livres. Le beau livre est quelque chose qui se lit, relit, se garde pratiquement toute sa vie, parce que il y a la reproduction, il y a les textes, même si on connaît les textes par cœur, on peut passer, je peux regarder un tableau 150 000 fois d'un grand peintre, je ne m'en lasserai pas, parce que j'y découvrirai toujours quelque chose de l'âme de ce poète, de la peinture ou de l'art plastique. Et c'est ce que vous êtes, Léda Cherblette. Merci. Merci encore. Voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Léda Cherblette, Algérie Lumière. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Restez bien assis pour la suite des émissions de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Allez, bonsoir à vous, bonsoir chez vous, à la semaine prochaine, qui est normalement la dernière émission de la saison avant le mois sacré du Ramadan, que je vous souhaite plein de bonheur, de joie et surtout de réflexion intérieure, parce que c'est ça le mois sacré du Ramadan. Et par avance, un très bon Aïd, mais je vous le re-souhaiterai la semaine prochaine. Allez, bonsoir à vous, bonsoir chez vous, à la semaine prochaine, même jour, même heure, même punition. Merci à toute l'équipe d'Expression Libre. Merci encore, Léda Cherblette. C'est moi qui vous remercie.